Je m'appelle Yao Xiang, je suis directrice du service de l'auditeur de la banque. Bonjour. 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 D'abord, je me permets de vous présenter toute notre équipe et Maglone, notre auditrice interne senior. Renaud, notre auditeur interne senior. Salut. Et Antoine, notre auditeur interne junior. Il est encore en apprentissage. Julien, notre chef de mission. Ça me fait un joli mot. Très beau loco. Maintenant, notre chef de mission, Julien, il va vous expliquer les circonstances de cette mission et aussi pourquoi il s'est maintenant. Bien, voilà, je... Donc, comme elle vous expliquait, nous sommes le service audit du groupe et donc la direction nous a demandé de réaliser une mission d'audit interne sur le processus de formation, service duquel vous vous occupez. Donc nous le faisons ici au sein de votre service et en ce moment, car comme nous sommes dans une période de rentrée, en fait, la direction a jugé que c'était une période clé au niveau de la formation. C'était en effet le moment où les employés réalisaient leurs vœux de formation pour l'année à venir. Et c'était vraiment le moment où on pouvait détecter les besoins de formation dans les différents services. Donc ensuite, nous allons essayer de nous assurer que les procédures que vous suivez en matière de formation sont bonnes, entre guillemets, que vous suivez les bonnes pratiques définies par le contrôle interne. Et tout cela dans le but que votre service soit le plus performant possible, qu'on puisse proposer une formation à tous les employés qui le désirent, à tous les employés qui en ont besoin. Donc il faut que vous sachiez que nous ne sommes en aucun cas venus pour vous causer des ennuis ou vous sanctionner ou quoi que ce soit. Au contraire, nous sommes là juste pour vérifier que vous suivez les bonnes procédures et que vous ayez mis en place les bonnes pratiques. Si ce n'est pas le cas, pour éventuellement vous en conseiller. Donc voilà. Le déroulement de la mission, afin d'assurer le bon déroulement de cette mission, on va avoir besoin de votre aide à tous, de votre entière coopération. Nous allons donc travailler ensemble afin de déterminer ce qui peut être amélioré, les points qui ne vont pas et éventuellement ce qui va bien aussi. Donc pour cela, nous allons nous répartir le travail. Mes collègues de service et moi-même allons fixer des rendez-vous, des entretiens individuels avec chacun d'entre vous, lors desquels nous pourrons échanger, discuter des procédures que vous avez mises en place et donc les procédures que vous suivez en matière de formation. Une fois ceci terminé, nous nous retirerons pour faire un rapport final, une synthèse de tout ce que l'on aura retenu. Et on vous en fera part par la suite. Très bien. On vous laisse présenter. D'accord. Donc pour ma part, je suis Anthony Fouillard, DRH, donc justement dans la direction ressources humaines. Donc laissez-moi vous présenter Bénédicte Péco, qui est responsable formation au sein de notre service. Mathieu Barbier, qui est chef de service clientèle, donc qui interviendra également dans l'entretien. Aude Barda, qui est contrôleuse de gestion RH. Et enfin, donc nous avons on a souhaité la présence de Sandrine Giotta, donc, qui est une ancienne apprentie salariée désormais, qui pourra vous expliquer justement comment elle a vécu justement ce processus de formation et les formations auxquelles elle a eu droit. Donc pour ma part, je vous remets ma fiche de poste, si ça peut vous intéresser. Donc ce que je vous propose, c'est justement qu'on aille un petit peu à travers toutes les étapes de notre processus. Pour ma part, donc, je vais davantage laisser la parole à mes collaborateurs. À l'initiative du pilotage stratégique pour ce qui est des RH, donc je m'occupe de définir justement les axes d'orientation pour justement ce qui est formation, la paye. Et donc ensuite, voilà, ce sont mes collaborateurs qui, au point de vue opérationnel, déclinent tout ça. Donc pour vous certifier donc, ce que je vous dis, nous ne sommes une banque qui sommes. Notre service travaille énormément sur justement.
l'actualisation des compétences de nos collaborateurs, dans le sens où voilà, nous sommes une banque, l'environnement réglementaire évolue très très rapidement et assez fréquemment. Donc voilà, nous, notre but, c'est justement de faire en sorte que nos collaborateurs soient justement aptes à répondre à nos clients en tout temps. Donc comme vous pouvez le voir, donc, dans l'onglet formation, on dédie chaque année 4% de la masse salariale à la formation. Et voilà, donc je laisserai mes collègues justement vous expliquer un petit peu tout ça. Donc il me semble que c'est Mathieu qui doit avoir le document, toutes les étapes du processus. Donc ça, c'est le processus de formation qu'on a formalisé. Voilà, ça peut vous permettre un petit peu de guider votre entretien. Et puis ben, voilà, je vais laisser la parole à mes collègues en fonction de vos questions. On va poser une série de questions, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous manger. Simplement pour être sûr de vous respecter bien les procédures qui, je suis sûr, sont respectées. Donc Julien, tu vas commencer ? Première entre guillemets procédure que l'on voudrait vérifier, ce serait la question principale. C'est vraiment être sûr que chaque salarié peut bénéficier des formations qui lui conviennent et qui correspondent aux besoins également de l'organisation et de vos différents services. Donc, à travers ce thème, on aimerait bien savoir comment vous identifiez les besoins en matière de formation, sur quoi vous vous basez en fait pour déterminer dans quel service il y a besoin, ou éventuellement détecter les besoins des employés. D'accord, je vais laisser M. Barbier intervenir. Alors déjà, chaque employé a le droit de faire une demande de formation individuelle qui suit ce modèle. Merci. Et donc, moi en tant que responsable de marché professionnel, chaque employé peut me donner cette fiche que moi je vais évaluer le besoin. Et je vais répondre à mon directeur qui va en parler au DRH. Et c'est à lui de signer, c'est lui qui a le pouvoir de signature avant de faire la formation. Ensuite, on a toute une procédure de formation que Mlle Péco va vous expliquer. Oui, donc là, on a, à partir des demandes qui ont été visées donc, par notre DRH, je vois la nécessité de le faire en fonction des orientations donc, de notre service et puis donc de l'évolution du personnel. Par ailleurs, j'établis aussi donc annuellement, j'ai établi une petite grille en fait des compétences, une grille d'évaluation que je soumets donc à notre chef de service, qui le transmet donc aux différents chefs de mission qui vont évaluer donc les capacités de chaque salarié voilà, lors de ces missions ou activités. Ensuite, celles-ci nous sont remontées. Voilà, donc juste une petite information complémentaire donc pour synthétiser. Pour la collecte du besoin en termes de formation, donc voilà, comme le disait M. Barbier, on a deux possibilités sur l'initiative individuelle, donc sur le document qu'on vous a remis. Chaque salarié peut faire une demande justement qu'on doit justement nous viser derrière pour savoir si on apprend. Ou le deuxième moyen, c'est justement cette grille de compétences. Donc ils sont remis au chef de mission, donc sur une base d'entretien individuel annuel, un document sur lequel on peut justement viser les besoins. Donc après, tous ces documents sont remontés au service RH. Voilà. Moi, pour chaque employé, en fait, je vais dire s'il a des bonnes compétences en informatique, sur tel ou tel type de marché. Et ensuite, c'est mon directeur et la DRH qui va analyser les différentes formations qu'on peut lui proposer pour que lui s'améliore. Et c'est au moment des entretiens individuels qu'il va y avoir une discussion pour savoir si les formations qu'on lui propose lui conviennent pour son avenir et quel temps il souhaite, s'il veut découper la formation en deux ou tout faire d'un bloc. Donc on peut voir que les formations dépendent pas seulement d'une demande de l'employé, mais aussi de l'employeur. Donc ça, c'est quand même un bon point. Ça répond à ma deuxième question aussi, pour l'occasion. L'autre question que je désirais vous poser, c'était en fait, quelles seraient les modalités d'accès aux formations des salariés, en fait, comment ceux-ci. Comment peuvent-ils vraiment vous demander
l'accès aux formations. Ils vous font seulement remonter une feuille de demande de DIF ou Bah, concernant les DIF, oui, en fait, tous les ans, ils ont 20 heures de quota de formation à réaliser pour l'année. Ça, c'est cumulable jusqu'à 120 heures par maximum, en fait. Et donc, à partir de là, ils peuvent réaliser leur formation avec ces heures-là. D'accord. Et ensuite, ils peuvent aussi faire des demandes de congés de formation. Donc ça, c'est pas financé par notre entreprise, mais c'est des congés tout de même qu'on leur accorde. Donc, il y a certaines modalités à respecter. C'est derrière cette feuille-là, d'ailleurs. D'accord, bah, très bien. Ouais. C'est bon pour moi, oui. Okay, maintenant, je vais poser des questions. C'est pour savoir si la banque respecte ses obligations en matière de formation. Alors, est-ce que vous avez une politique claire en matière de la formation? Bah, pour ce qui est justement des orientations, donc on a une charte éthique qui est lue et signée chaque année par nos collaborateurs. Pour vous donner un exemple donc, de ce qu'on vous avance, dans le sens où on essaie de pousser nos collaborateurs à justement participer à des formations pour qu'ils soient justement à jour sur les obligations réglementaires. Donc là, voilà, je vous fais part d'un document donc, d'une formation qui, en fait, une formation qui est obligatoire que nous payons à tous nos salariés, tous nos collaborateurs de la banque, en fait, qui sont, donc, c'est une sorte de petit diplôme de mise à jour certifié par l'AMF. Pour qu'ils soient justement en accord et justement conscients des nouveaux enjeux et des dernières réglementations. Voilà. Est-ce que ce certificat aide à les employés d'augmenter leur compétitivité par rapport à les... Si vous voulez, là, c'est un petit peu... Pour l'exemple que je vous donne, on pousse nos collaborateurs, si vous voulez, ça ne va pas les rendre plus compétitifs, mais justement, enfin, simplement aptes à pouvoir... opérer dans les conditions requises au niveau européen. Donc ça, c'est simplement pour ce cas-là. Ensuite, nous, les formations que nous proposons, justement, donc sur base d'initiative individuelle ou sur base d'entretien annuel, c'est justement pour permettre de combler certaines carences si nous avons des collaborateurs qui pêchent ou qui peinent un petit peu dans certains aspects de leur métier, ou si justement ils souhaitent se former dans la perspective d'une promotion. Donc voilà, ici, il y a vraiment, pour répondre à votre question, oui, on forme nos collaborateurs pour qu'ils se remettent à jour, pour qu'ils se remettent à niveau et également pour qu'ils augmentent leurs compétences et qu'ils deviennent justement plus proactifs dans leur métier. Moi, j'ai une question qui porte sur un sujet que vous n'avez pas encore abordé. J'espère que vous allez m'éclairer à ce niveau-là. J'aimerais savoir comment votre service donc, communique avec la direction. Dans le sens où comment vous, en tant que DRH, faites remonter les informations de formation que vous avez effectuées, faites des retours, est-ce qu'il y a des choses qui sont formalisées à ce niveau-là? Si vous voulez, donc nous régulièrement, donc c'est tous les derniers vendredis de mois, donc on a justement des comités de direction, les CODIR, donc avec lesquels je me retrouve personnellement avec le DG, le directeur financier, le directeur marketing. Donc pour ma part, c'est vrai qu'on fait du reporting sur justement les budgets informations qui sont alloués chaque mois, voilà, sur la base de documents qui sont produits par notre contrôleuse de gestion. Donc comme vous le disiez, donc voilà, c'est vrai qu'une fois qu'on a établi notre besoin en termes de formation, nous derrière on a des documents qui sont établis pour savoir quel salarié a droit à quelle formation pendant combien de jours. Je pense que c'est un document que Mme Péco doit... Voilà, on établit donc un plan de formation, c'est ce que je vous remettre. Merci. Donc on établit le nombre de jours que le salarié est en formation, on totalise et on budgétise. Voilà, donc ce sont sur la base de ces documents, sur ces reportings-là, que moi je fais justement la navette en fonction avec les autres directions. Puisqu'il y a un rapport aussi avec la finance. On est en train de mettre en place un outil qui s'appelle le SIRH. En fait, ça fait partie de RP et ça nous permet de tout centraliser sur cet outil. Donc, ça nous permettra de suivre les formations de tous les salariés grâce à cet outil et tout le monde y aura accès. D'accord. Okay. Donc, vous me dites que vous avez des réunions donc, mensuelles avec tout ce qui est votre comité de direction, c'est ça? Est-ce que ça veut dire que vos moyens alloués à la formation changent mensuellement ou vous avez simplement des retours que vous faites
mensuellement et derrière vous avez vos modifications. Non, si vous voulez, en fait, moi tous les mois je fais du reporting dans le sens où je dis ce qui est fait et justement ça permet donc avec le directeur financier de se rendre compte si justement les budgets alloués sur un mois ne mangent pas tout le budget qui est alloué sur le trimestre initialement. Voilà, donc c'est juste à titre informatif si vous voulez. Donc c'est vrai que nous, notre contrôleuse de gestion, donc une fois qu'on, voilà, comme je vous disais, une fois qu'on a établi tous nos besoins, elle donc remplit ce document, donc le plan de formation, et on fait justement valider les besoins de formation à la direction financière qui peut nous dire ben, voilà, cette formation on peut se le permettre parce que voilà, elle rentre dans notre budget sur ce mois de janvier ou février ou mois de mars. Ou des fois voilà, on a parfois des refus. Donc voilà, c'est vraiment un titre informatif pour savoir où on en est en termes de consommation du budget. D'accord. J'ai une petite question par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez parlé du fait qu'il était important de vérifier au niveau de vos formations si les budgets alloués étaient correspondants aux besoins à la fois de vos employés, donc aux lignes de votre direction. J'aimerais savoir si vous avez un système de veille sur les formations qui sont faites, pas seulement dans votre entreprise, mais aussi dans l'univers bancaire. Ça, c'est Mme Pétoche. Donc en fait, nous, on a établi un cahier de charge. Donc en fonction, on recherche des organismes de formation, soit auprès des universités, soit externes, ou soit des ressources internes. Donc on identifie donc l'entreprise, on identifie également les formateurs, leurs compétences, leurs certifications, s'ils en ont. Après, on établit aussi le coût de la formation, on fait des demandes de devis. Pour un petit peu mettre en concurrence les différents sites, organismes de formation. On est aussi en relation avec tout ce qui est organisme collecteur, donc les OPCA, pour voir un petit peu les ressources financières qu'on peut obtenir de leur part. Et puis après, donc, on établit le planning. Si la personne peut aller en formation sur quelle période, si elle sera amenée à être en équipe ou en clientèle. Donc je peux vous donner le cahier des charges, comme ça vous aurez un petit peu les modalités de choix ou des organismes. Ah oui, j'ai bien compris que vous aviez un système bien au point au niveau des recherches des organismes. Ma question était plus au niveau des formations elles-mêmes, c'est-à-dire au niveau vous êtes dans un secteur qui bouge beaucoup. Un secteur où par rapport à la veille, c'est ça? Oui, c'est moi qui m'en occupe personnellement. Donc je fais de la veille essentiellement sur Internet et via justement des colloques qui sont organisés sur Paris. Donc voilà, c'est vrai que moi c'est justement mon but de définir un petit peu les orientations en termes de formation. Donc c'est c'est suite à la veille que moi j'effectue. Puis aussi on a les retours d'évaluation de nos salariés quand ils ont fait une formation. Donc on avise en fonction des résultats aussi qu'on peut avoir. Moi je leur demande de me rendre une note, on en discute en entretien, ensuite je transmets ça à la direction des ressources humaines. Donc on sait que on a un retour de chaque formation. On sait si tel ou tel organisme est bon ou mauvais. Comme ça, on le garde ou pas. C'est la direction qui décide après. Voilà. Alors moi, en fait, j'aurais aimé savoir comment se déroule la communication avec les salariés sur les formations. Justement, je crois que c'est là où on pêche un petit peu. C'est vrai qu'on ne fait pas forcément, on passe pas forcément par l'établissement de documents en disant « Vous avez le droit à la formation ». C'est vrai que nous, justement, comme on baigne dans un milieu où justement on pousse nos salariés à faire énormément de formations, on ne prend pas le temps en plus de ça de dire voilà, vous avez le droit à faire des formations, parce que je pense que c'est quelque chose qui est clairement établi dans leurs esprits. Donc c'est vrai qu'on n'a aucun formalisme, si vous voulez, quant à ça. C'est plus moi qui fais descendre l'information via notre service RH, et ensuite via nos chefs de service qui eux après relayent l'information vers les salariés. Après, quand on aura mis en place l'outil dont je vous parlais tout à l'heure, tout le monde y aura accès, donc ils pourront aller voir les différentes formations qu'on propose, tout ce qu'ils peuvent réaliser, enfin les DIF, les CIF, tout ça. Ils y auront accès et ils auront, donc la communication sera peut-être meilleure aussi. D'accord. Et vous n'avez pas donc le document relatif au déroulement des formations? Qu'est-ce que vous entendez par déroulement des formations? Comment va se dérouler une formation? Si, par exemple, pour celle de l'AMF, le tout explicatif. Il n'y a aucun problème. La personne qui est le plus à même d'en parler, c'est notre apprenti qui
qui a fait des formations. Ah, si vous souhaitez ensuite lui poser des questions sur ses impressions, comment ça s'est passé, allez-y pour ça. J'attends les questions, en fait. Vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé? Oui, vous ne m'avez pas posé de questions. J'attendais, je vous laissais un petit peu gagner dans l'inconnu. Donc j'aimerais savoir au niveau de la formation que vous avez effectuée avec donc, ce groupe, ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez effectué les démarches ou c'est donc vos supérieurs qui vous ont poussé à la... Oui, ce sont pour la formation AMF, ce sont mes supérieurs. Particulièrement le chef de service et la responsable de formation, qui apparemment il fallait que tout le monde ait un peu des connaissances par rapport aux autorités des marchés financiers. Donc on nous a poussé, en fait, pas poussé pour dire que c'était la contrainte. Bon, on a sucé. Oui, on avait quand même une obligation. Vu qu'on est dans une banque, on doit maîtriser les processus de l'AMF. Et puis actuellement, je suis en formation sur la cartographie des processus RH parce que je fais partie du département des systèmes d'information. Donc, parce qu'on a eu un peu beaucoup de critiques par rapport au plan de formation sur lequel il n'y avait pas un suivi informatisé. Et donc, du coup, on a eu à faire part de cela au chef de service qui a eu à remonter. Je croyais que vous en... On fait des reportings, mais c'est essentiellement à base d'Excel. On part vraiment sur le. C'est pas vraiment, il n'y a pas un ERP comme la contrôleuse de gestion disait. Les fonctions RH, marketing et finances. Donc actuellement, nous, dans le département de système d'information, on est en train de faire une petite formation pour les processus ERP et tout, la cartographie et tout. Qu'avez-vous senti pendant la formation? L'avant-formation, pendant la formation et après la formation, j'entends par là. L'avant-formation. L'avant-formation, vous m'avez dit que vous vous sentiez un petit peu, vous étiez senti un petit peu poussé pour faire ça. Ouais. Pendant la formation, est-ce que les personnes qui ont été donc vos formateurs vous ont semblé efficaces, compétents? Oui, je trouve que certains organismes ont été compétents. Je trouve que certains organismes ont été compétents. Et puis, bon, je ne vais pas aussi trop critiquer les organismes, ce sont eux qui nous apprennent. Mais bon, les formateurs, en général, suivis par notre responsable de formation, en fait, dans l'ensemble, ils ont été... c'était sympa, en fait, les formations. Le suivi était bon, le suivi de formation était bien. Comment ça, le suivi de formation? Bon, c'est-à-dire les cours, la durée des cours, la prise en charge des salariés. D'accord. Donc, c'est-à-dire la réponse aux questions, notre suivi après les cours, parce qu'on ne s'arrêtait pas juste au niveau des cours, on avait des contacts. Donc, c'est-à-dire qu'après même les cours, on pouvait les contacter aussi facilement. Et donc, en ce qui concerne l'après-formation? Et l'après-formation, le retour? Oui. Le retour, comme je disais, le retour, on le compte. En fait, nous, les salariés, on le propose au chef de service qui doit le suivre à la direction des ressources humaines. Bien sûr, non, mais votre retour personnel? Mon retour personnel? Oui. Particulièrement, je déplore d'abord le fait que l'engagement ne soit pas personnel. J'aurais plus aimé que ce soit qui est un ERP, un système d'information qui me permet, moi, personnellement, de dire que, bon, oui, si j'ai envie de faire telle formation. Et puis, que d'éviter aussi toute cette paperasse à faire une demande et tout. Et, bon, c'est tout, hein. Mon retour personnel, c'est juste ça. C'est la seule critique. On peut dire que c'est en cours. C'est en cours, donc... Ça va être amélioré, donc... Oui. Mais le suivi, pour le moment, oui, pour le suivi, pour le moment, il est... Bon. Après, c'est un peu lent, mais bon, ça passe quand même. Hein. Pour la formation MF, en fait, c'est obligatoire. C'est tous les employés de banque, il y a la liste des métiers. Tous ceux qui exercent ce type de métier sont obligés de faire cette formation. Donc, c'est pas qu'on impose nos équipes à les faire, mais c'est que c'est vraiment une obligation de l'AMF. Si dans l'année, la personne qui était en charge de tel ou tel type de métier qui sont dans la liste n'a pas passé cette certification, elle ne peut pas rester dans la banque. Et donc, c'est sûr qu'ils se sont sentis un peu poussés, mais c'est une obligation. Ouais, c'est ce que je voulais rajouter. Vous savez, en tant que salarié, donc, dès qu'on vient nous dire, bon, vous avez une formation à faire et tout sur les autorités des marchés financiers. Nous, en informatique, on était, bon, bref, on s'est un peu senti poussé, mais bon, c'est pas ça, en fait. D'accord. Ouais. Antoine, donc, personnellement, je voudrais qu'on regarde ensemble tout ce qui concerne l'efficacité des formations, donc avec le suivi administratif.
Ce qui concerne la satisfaction des besoins et des attentes des participants, donc c'est vrai que votre intervention sera intéressante. Donc déjà, au niveau administratif, est-ce que vous avez des documents de suivi pendant la formation? Voilà, est-ce que les formateurs vous font un point régulièrement en disant voilà, bah, on a réussi à développer ça, tel point est plus difficile par exemple avec tel employé, est-ce qu'il y a un suivi qui est formalisé? Si vous voulez, donc je sais plus si on a déjà remis le document, la fiche de satisfaction. Ouais, en fait le questionnaire de satisfaction c'est après la formation. C'est quand elle est finie et c'est l'employé qui la remplit. Ouais. J'en aurais besoin de toute façon. C'est vrai que là je pensais avant l'employé, en fait, est-ce qu'en interne, vous avez un suivi justement des formations pour, si besoin, les adapter, si vous voulez, les faire correspondre Si vous voulez, non, voilà, nous, comme on vous l'a dit, donc nous on établit un cahier des charges. Ensuite, donc voilà, Madame Péco, sur la base de ce cahier des charges, envoie notre, on va pas dire une sorte d'appel d'offres, mais voilà, donc il y a plusieurs organismes qui se proposent. Donc après voilà, on fait confiance aux compétences de Madame Péco pour sélectionner les meilleurs organismes. Après c'est vrai que nous, une fois qu'on a nos salariés qui partent en formation, comme pour l'AMF, voilà, c'est par paquet de 100 collaborateurs qui partent en formation, c'est vrai qu'individuellement, c'est très long et administrativement, c'est voire impossible enfin, à l'heure actuelle avec nos systèmes d'information de pouvoir suivre. Donc voilà, après nous, c'est vrai que globalement, via les fiches de satisfaction, on est capable de vous dire quel salarié a eu des problèmes, parce qu'on leur demande justement leurs commentaires, tout ça, s'ils sont contents de l'information, si par rapport aux objectifs fixés initialement, s'ils se sentent... Je tiens à préciser en fait qu'on a aussi des retours des centres de formation, notamment au niveau de la présence de nos salariés en formation. Donc notamment c'est, ce genre de... Voilà, on a les actes de présence qui nous sont retournés par les formations. Mais je ne sais pas si vous avez encore beaucoup de questions, mais c'est vrai que moi je vais avoir un appel urgent en fait. Vous en faites pas, on va faire le plus vite possible. Oui, bon, je vous en prie. Donc, processus d'évaluation des résultats, vous l'avez donné. Est-ce que vous avez ça c'est la satisfaction, pardon, excusez-moi. Est-ce que justement vous avez un processus, une procédure d'évaluation des résultats? Est-ce que vous essayez de regarder un employé est plus efficace après sa formation qu'avant? Six mois après, dans la grille d'évaluation, je vais juste avoir à mettre plus ou moins dans la case de formation. Et ensuite, le DRH va voir si sur 100 formations, combien on a de plus et de moins pour voir si on continue cette formation, si on change d'organisme, si on va plus faire un autre type de formation parce que ça aboutit pas sur des résultats positifs. D'accord. Donc c'est vraiment moi, 6 mois après, je vois mon équipe si elle a évolué sur, la formation qu'on leur a donnée. D'accord. Donc, fiche de satisfaction, c'est très bien. Et à ce moment-là, peut-être vous pourrez m'indiquer. Est-ce que vous avez des fiches de synthèse et de remarques que vous transmettez au service de formation concernant la dite formation? Oui. D'accord. Oui, on a la dernière fiche de synthèse que j'ai eu à faire, dont je me souviens. Je faisais le point sur des cours. Particulièrement parce qu'il y avait, je pense que c'était un chapitre, bref, donc qu'on ne maîtrisait pas un peu. Et puis le formateur n'était pas assez très réceptif par rapport à nos besoins. Donc dans la fiche de synthèse, j'ai eu à la noter. Enfin que la responsable de la formation qu'elle puisse voir que bon, tel organisme particulièrement, il y a un formateur qui n'est pas assez réceptif. Mais bon, c'est juste quelques critiques, mais la majorité des formateurs en général sont bien en fait. D'accord. Donc vous avez votre voix à dire quoi. Oui, bien sûr, on a notre mot à dire et on a des devoirs. Les devoirs, et ce sont ces devoirs qui permettent de juger si oui ou non nous sommes assez compétents à la fin de la formation. D'accord. Ouais. Écoutez, je pense que vous serez à temps pour votre appel. Revenir sur ma question précédente. Ce type de document, vous l'avez pour toutes vos formations? Oui. 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 Donc ça pareil également, c'est Madame Péco qui s'en occupe après sélection de l'organisme. Justement, donc chaque salarié se voit remettre ce document-là pour savoir réellement à quoi il doit s'attendre. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Alors, je vous remercie pour votre temps. On sera voué à se revoir bientôt de toute façon. Merci. Très bientôt. Merci à vous.
Et je vous remercie.